Pardon d'être en retard. Tu peux m'attendre encore 2 minutes. Quelle élégance. T'es en train de ruiner tes chaussures. Non, je rigole. Ah. Tu vois, 2 minutes, on appelle ça du retard, mais 1 heure, c'est limite un motif de divorce. C'est pas parce qu'il est gentil qu'il est immunisé contre la déphylonite. La déphylonite? Oui, cette façon qu'ils ont d'oublier les rendez-vous. Et depuis quand tu es une experte? Ma grande sœur applique les 10 règles du comportement amoureux. Et les 9 premières concernent le fait de ne jamais laisser passer un rendez-vous annulé, du genre un dîner... D'accord, mais c'était pas vraiment un rendez-vous officiel. Mmh. Règle numéro 3. Tout est toujours officiel, même si le garçon n'est pas au courant. Surtout très en retard. Mais j'ai apporté plein de trucs à manger et des bougies et de quoi faire un super pique-nique au bord de la piscine. Zach nous a même fait un super gâteau. Mais d'abord, Son Altesse est priée de me rejoindre. Tu sais que les employés n'ont pas le droit de se baigner. Ça fait partie du règlement. J'ai une crampe. Vite, je vais me noyer. Arlette, sauvez-moi. Sauvez-moi. Attention, j'arrive. Enfin. On plonge. C'est parti. Maintenant qu'on est tous les deux, j'ai enfin l'impression d'être en vacances. Moi aussi. Eh bien, dites-moi, regardez ce que le vent a fait tomber dans le bain. Attendez, c'est moi qui l'ai obligé à se baigner. Elle ne voulait pas en prendre le bain. Tu m'en passes les manches. You got it. La pause déjeuner. Mais je vous fais un petit folon sur le terrain. You got it good. Come on now. Take your best shot. Vous savez qu'à la 3e, you got it. Qu'est-ce que vous faites en... You got it.